Salut tout le monde, c'est Elvin, on se retrouve sur Click Team Fusion. Donc là j'ai déjà codé. Enfin, c'est pas codé hein. Qu'est-ce que je raconte? J'ai mis les propriétés, j'ai tout mis quoi. Et toujours. Attendez. C'est devant. Et donc on a fait les ventilations. Donc je vous laisse admirer le travail en enlevant le compteur bien sûr. A few moments later. Je vous laisse admirer. Motion trigger, circus gallery vent. Et voilà. Voilà ce que ça va donner à la fin. Oups, pardon. Mais donc, à la fin de ce tuto, vous devriez avoir ceci comme résultat. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ce que vous voulez. Et sur ce, bonne vidéo. Et salut tout le monde, c'est Elvin. On se retrouve sur Click Team Fusion 2.5 pour continuer Sister Location. Donc on va faire le scrolling et le mouvement des ventilations. Voilà, c'est tout. Le mouvement dans les ventilations. Donc pour faire le scrolling, vous allez mettre le truc en 720p, c'est-à-dire en 1280 sur 720p. Oui. Contrôle moins. Je suis pas réveillée, je sais pas ce que j'ai. Mais ça, on s'en fiche. Hop, double clic, graphique animation actif. Hop. Double clic édition, si tu veux. En ventilation. Voilà. Importer comme animation. Boucle. Oh, oh, je te téléporte là. Attendez. Attendez, attendez. Bah oui, mais attends. Mais il y en a plus d'habitude. Je crois qu'il y en a au moins 10. Voilà, portée comme animation, il y en a 6. Lancer. Oh oh. Attendez, je suis en train de tout regarder. Oh. Bon bah c'est là on les supprime. Voilà. Il y a quand même un petit problème quelque part.
Non. C'est bizarre. Attendez-le. Là, on est en haut. Ok. Ah, c'est là, là. Entre l'image 6 et l'image 7, c'est ça? Ah, vous savez quoi, on s'en fiche. L'autre. Arracheux. Contrôle plus, contrôle plus, contrôle plus. Voilà. Contrôle-moi, 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 contrôle-moi. Voilà. Contrôle plus. Ok. Voilà. C'est... Oh non, c'est bon. Donc, les ventilations. Ça fait du 1900. 1700, 1700 alors. Sur 900. Contrôle Z. Sur 1000. Contrôle Z. Ok, c'est bon, je l'ai. 1900 sur 1000. Très bien. Scrolling. Actif. Hop. Double clic, le curseur qui fait plaisir. Curseur, ouvrir. Ne pas emporter comme animation, s'il te plaît. Voilà. Curseur qui fait plaisir. Mouvement. Contrôlé à la souris. Oui, c'est un nouveau type de scrolling. Et là, vous agrandissez la zone. Mais genre de beaucoup, hein. Sinon ça marchera jamais. Ok, en début de scène. Centrer, non, scrolling. Centrer la fenêtre dans la scène. Relatif à actif 2. Quand on lance. Il a un petit peu du mal. Bon. On va attendre un petit peu. Voilà, s'il te plaît. Hey, hey. OMG, ça met du temps. Mais qu'est-ce qui se passe? 49%. Que j'ai fait de mal. À ce qui paraît, j'ai fait un truc de mal. Ah oui, bah c'est toujours en fait. C'est pas un début de scène. C'est toujours. Bah voilà. Par contre, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que l'animation se joue sans même que je... Sans même que j'utilise mon clavier, quoi. C'est ça le problème. Donc, on va passer à la ventilation. C'est parti. Aïe, mes oreilles. Hop. Oups. Mouvement des ventilations. Voilà. VKS.
Donc, nouvelle condition. Le clavier lors de l'appui de la touche Z. Animation. Démarrer. Vous glissez déposer ici. Et vous faites négation. Animation. Stop. Comme ça, quand tu appuies sur la touche Z, ça avance. Quand tu appuies pas, ça avance pas. Regardez. Désolé, je me suis trompé. Édition. Non. Remplacer. C'est pas l'heure de l'appui. Remplacer, c'est. Répéter tant qu'une touche est pressée. Et là, vous refaites la même chose. Voilà. Et là. Technically. Vous avez vu? Ça marche. Ça marche. Ça fait plaisir. Ça, c'est des ventilations. Par contre, j'en ai marre de faire Alt F4. Donc. Non, après. Répétez tant que Z est pressé. Ouais. On met un compte. Moi, je fais. À chaque fois, je fais la même gourde. Donner compteur. On met un compteur ici. Un très très grand. Tu vois, pour faire le lol. Et donc, ajouter une condition, le clavier, répéter dans l'ordre de l'appui de la touche Shift ici. Ah oui, ça s'appelle mage. Négation. Ensuite, vous allez prendre ceci, vous allez déposer dans le 6. Et vous allez... Oh. Ah, j'ai tout pris, j'ai fait d'activer les lignes. D'accord. Répétez tant que mage est pressé, lancer l'animation. L'animation, changer la séquence d'animation. Non. Changer la vitesse d'animation. Changer la vitesse de l'animation. À 70. Et ici. Animation. La vitesse de l'animation à 50. Ça fait plaisir. Et là. Vous voyez la différence? Regardez sur les côtés. Hop. Ça va beaucoup plus vite quand je... Non, je crois que même que dans le jeu, ça va beaucoup plus vite. Ça va moins vite. Attendez. J'ai dit n'importe quoi. C'est 40 alors. Animation, changer la vitesse de l'animation, on va le mettre à 30. Je sais pas, on verra. Je ne sais pas ce que c'est. Regardez. Si, je crois que c'est vraiment comme ça. Dans 600 locations, c'est comme ça. Tu cours. Voilà. Donc, maintenant, on a mis le compteur. Nouvelle condition. Or, la répétition que j'ai pressé Z. Et là, ajouter une condition. Non, dans le timer. Toutes les 3 secondes. 3 secondes. Ajouter au compteur 1. On regarde ce que ça donne pour voir si ça marche. Et parce que je fais tout de. 4, 1, 2. Ok. On va faire ça. Ça, on va édition. Une seconde. Ajouter une condition lors de la PT. Donc une touche pressée. Mage. Ajouter un au compteur. Aïe, n'y comprends pas. Regardez. 1, 2, 3. Et quand tu cours, 1, 2, 3. Ok, Alt F4.
Édition. On va mettre 2 secondes, c'est mieux. Regardez. Écoutez, on va pas le mettre à 30, on va le mettre à 45. Animation, changer. Puis des animations. 45. Voilà. Et là, normalement, ça devrait le faire. Je suis maniaque, hein. Ok, donc, nouvelle condition. Compare le compteur à une valeur comparée à 3. Et là, on va faire le son. Circus Gallo Event. Je sais plus quoi. L'autre. Hop, on va dans FNAF SL and Sound. Sound. Un fichier WAV. On savait déjà, c'est Circus Gallo Event. Attendez, je vais regarder. Hop. C'est. Circus Gallo. Motion trigger. Circus Gallery event. Ah, motion. Motion trigger. Et ça, c'est quoi, mouvement? Mouvement. Bon bah c'est lui. Mouvement 1. Donc déjà on va prendre Circus Gallery. Voilà, on le met là. Le compteur est égal à 3. Lancer en début de scène. En début de scène. Général. Stop. Circus Gallo Event. Motion trigger. Circus Gallo Event. Voilà. Motion trigger. Circus Gallo Event. Ok. Ah, oh, ça fait plaisir. Une fois que un de mes tutos marche, je blaguais. Mouvement. WAV. WAV. Mouvement. Mouvement 1. Donc. Début de scène. Arrêtez la vidéo. Général, stop. Général, lancer, général, fixer le volume. Le volume, on le met à 30. Attendez que je regarde, qu'est-ce que ça fait 30? J'ai jamais essayé en fait. Qu'est-ce que ça fait 30? Mais on n'entend rien. Écoutez, tant que c'est dépressé, je vais... la vidéo. On va effacer, fixer le volume à 30. Peut-être que c'est le pourquoi du comment. Motion trigger, circus gallery band. Voilà. Donc du coup, ça doit être la vitesse qu'on va changer. Mais attends. Faut que je vérifie un truc. Ah oui, c'est bon. Donc, arrêtez la vidéo. Ma répétition que vous êtes dépressé. Donc Z, là j'ai épressé. Général, lancé.
Et général. Fixé à la vitesse de 40. Ça dépend, c'est quoi la vitesse de base? Motion trigger, circus gallery vent. Ok, donc c'est pas la, c'est pas 40, hein. Et il y a métier, mais c'est pas 40, hein. Donc fixer le volume. Le volume, on va le mettre à 100. Attention, hein, ça peut défoncer vos oreilles. Désolé si ça arrive. Motion trigger. Aïe. Circus gallery vent. Bon, c'est pas le volume. Comment il a fait Scott? Comment il a fait Scott? C'est la vitesse qu'il a changée. Fixer la vitesse. Je vais la mettre à 30 alors. Motion trigger. Circus gallery bend. Voilà, donc, une fois ceci fait, le compteur à 15. Graphique, animation, Circus Gallo Event. Oh non, je vais pas devoir chercher. C'est... Ok. Je vais pas de... OMG, je vais devoir chercher. Ting 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 ting. Arrête de faire des bruits chauds. Hey hey. OMG. Ah non, ça c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Non. Hey hey, ting 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 ting, what is this? Hey, what, why, hello, my name is Mark, and welcome back to another Five Nights at Freddy's video. Hey, hey, ta-da-da. Contrôle plus, on descend. Ça fera des... Les animaux en plus. What the? What the fuck? Non, si ça va, je vais bien. Non, mais tu sais, c'est la vie. Donc, le truc est égal à 15. Détruire. Ça, visibilité, rendre l'objet invisible, c'est tout. Attendez, ah oui, mais j'ai pas pensé à ça aussi, hein.
J'y ai pas pensé. Voilà. J'espère que je n'ai pas raté un truc, hein. Motion trigger, circus gallery vent. Attention. Zerise. Mais voilà. Mais qui disait que c'était compliqué de faire les ventilations? Mais c'est trop. Là, ce que vous voyez, c'est en direct, hein. On peut voir qu'il y a une caméra ici. On peut voir que le sol, il est fait en carrelage. C'est dégueulasse. On peut voir qu'il y a une bonbonne. On peut voir qu'il y a l'espace sur le bureau. Et pourquoi il y a un tuyau, ouais. Donc, à vous de décider quel sera le prochain tuto. Vous me dites qu'est-ce que vous voulez. Et c'est tout. Allez, sur ce, ciao!